Voilà. Bon, je sais pas si ça va tenir. Ah, ça fait un petit peu mal là. Ça fait mal là. Ça tient pas, ça tient pas. Ah. Un petit retour là-dessus, rapide, parce que c'est ma première sortie avec. C'est la nouvelle Mafat, mais c'est pas n'importe quelle Mafat, c'est la Mafat Speed 3. Alors, j'avais jamais essayé, moi, la Mafat. Je suis assez surpris. Alors, d'abord, la première chose qui m'a sauté, non pas aux yeux, mais aux pieds, c'est le chausson qui est très fin. Donc, pied large, attention, j'espère que la chaussure existe en plusieurs largeurs, mais si c'est pas le cas, je sais pas, hein, parce que vraiment, là, on est dans le système du siège baquet, je pense, fidèle à Oka, c'est-à-dire que votre pied... Bon, regarde, je te montre. Le siège baquet, c'est ce principe-là, tu vois. Et ton pied, il vient se caler dedans. Du coup, si tu veux, t'as des bords en plastique semi-rigide qui maintiennent très bien ton pied. Mais pour peu que t'aies le pied un petit peu large, c'est foutu, tu vois. Donc là, ça, c'est pas top pour ceux qui ont le pied large. Pour les autres, ce sera parfait. Et puis, je sais pas, allez voir sur le site de Oka. J'espère qu'ils ont eu l'intelligence de faire la Mafat Speed 3 avec plusieurs largeurs. Cela étant, il y a une accroche exceptionnelle. Il y a un amorti du tonnerre. Alors vraiment, on est relativement au perché, hein, j'ai pas le stack en tête, et puis Oka, là, contrairement à Adidas, T-Rex ne le marque pas sur ses semelles. Ce serait pas mal ça de faire ça, si toutes les marques pouvaient s'accorder pour mettre les hauteurs de stack, les drops, le poids des chaussures, ce serait super pour nous qui faisons des tests et des retours, ça nous faciliterait grandement la tâche. Merci Adidas T-Rex d'y avoir pensé. J'ai commencé par l'inverse. D'habitude, je fais tige, semelle intermédiaire, semelle externe. Là, on va faire semelle externe, semelle intermédiaire et tige. Donc, semelle externe, très, 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 très bonne accroche. Une excellente accroche. Hein. Là, j'étais dans la poussière, dans les cailloux, dans des pentes. J'ai pas du tout glissé. Je me suis senti hyper en sécurité. Donc, ça, c'est le point vraiment très, très positif. Le deuxième point qui est sympa, c'est grosse semelle intermédiaire. Donc, très, très bonne amortie. Et ça, c'est vraiment le bon point. L'énorme avantage de cette chaussure, c'est un gros, gros amorti. Je me demande d'ailleurs si sur la Western State, notre ami Ludovic Pommeray n'avait pas la Mafat Speed 3 au pied. Je ne suis pas certain de ce que j'avance. Il avait peut-être la Tecton X, une chaussure avec lame de carbone qui vient de sortir de chez Oka. En tout cas, ça, c'est une chaussure pour aller vite. C'est une chaussure très amortissante, mais pour aller vite quand même. Et à mon avis, c'est l'équivalent de l'autre chaussure, un peu du même genre chez Oka. C'est la Speed Goat. Voilà, je pense que ça, c'est le pendant de la Speed Goat, avec peut-être encore plus de protection au niveau de la semelle, peut-être encore plus d'amorti, et donc peut-être encore plus une chaussure qui se dirige au coureur lourd. Et puis la tige, je vous dis, hein, c'est un petit peu serré, sinon c'est très respirant, ça maintient bien le pied, il y a un bon talon, il y a une coque, là, moi j'aime bien quand il y a un petit peu de coque ici, ça, mon pied était très bien maintenu, mais j'ai dû prendre une pointure au-dessus de ma pointure habituelle, et ma pointure habituelle, je mets déjà un pouce pour bien être sûr de ne pas me faire mal aux ongles, et pour être bien sur les longues distances. Donc là, je suis un peu mal à l'aise parce que c'est un peu trop long en longueur et puis c'est pas assez large. Donc voilà, peut-être que, je le redis une énième fois, pour moi la solution, quand on a les pieds un petit peu larges, quand on fait du running depuis très longtemps, c'est d'aller voir pour la Mafat Speed 3 si Oka fait une chaussure avec plusieurs largeurs. Voilà, mais sinon, il y a du répondant, c'est dynamique, c'est amortissant. Enfin, bonne surprise quoi, tu vois. Au départ, quand je me suis lancé, je savais pas trop comment la caractériser, cette chaussure. Je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. C'est un petit peu lourd, en même temps ça réagit bien, c'est assez dynamique, il y a du répondant, puis ça a une accroche du tonnerre. Alors j'étais un peu décontenancé, bon, on va dire ça comme ça, j'étais un peu décontenancé, mais je pense que c'est le pendant de la Speed Goat, et je me demande d'ailleurs si je la préfère pas à la Speed Goat, hein, voilà, parce que bon, c'est un peu plus lourd cela étant, mais du coup pour les très longues distances, c'est peut-être ce qu'il vous faut, ou si vous êtes un coureur lourd, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, Oka, on est Oka maintenant, c'est officiellement le nom, c'est Oka, vous l'avez vu, on a vérifié l'information, c'est passé Oka, mais alors ce qui est intéressant, c'est que dans la semaine, si tu veux, il y a toujours marqué Oka, Oné, Oné, regarde. Hop là, tu vois, dans la semaine, il y a toujours marqué Oka, Oné, Oné, mais maintenant, ça s'appelle Oka. Bon, c'est toujours un petit peu, là, il y a marqué Oka. C'est un petit peu confus, cette histoire, toujours. Bon, surtout qu'en plus, je sais pas, moi, ce changement de nom, ça me plaît qu'à moitié. Je pense honnêtement qu'ils auraient dû conserver Oka, Oné, Oné comme nom officiel de marque, et puis laisser les gens dire Oka. Il n'y a pas de... C'était pas gênant pour moi, d'un point de vue du marketing, je vois pas trop où était le problème. Au contraire, je trouvais même que c'était assez intéressant parce que ça permettait aux vrais connaisseurs de la marque de dire non, c'est Oka, Oné, Oné. Et puis le grand public de les laisser dire Oka. Je trouvais pas ça gênant. Enfin bref, voilà. Oka, Mafat Speed 3, c'est le début du test, mais très bonne chaussure. Coureur lourd, coureur pour faire de la compétition, longue distance, gros amorti, grosse accroche. Attention si vous aviez les pieds larges. Cap de fin, ciao. One lie, one time to make amends. No more consequence.
every day.